Tout récemment, j'ai décidé de réinstaller Netflix et j'ai découvert une série à propos du catch qui est vraiment géniale, qui s'appelle Wrestlers. Donc, si tu traduis ça en français, c'est catcheur. Et j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui. Je vais pas te spoiler, mais pour te résumer, c'est une série qui raconte la vie des catcheurs indépendants et je trouve que c'est super intéressant. Ça montre les difficultés qu'un catcheur indépendant peut rencontrer dans sa carrière, mais aussi les choses qu'il faut pour être catcheur. Il y a pas mal de choses que je t'ai parlé sur cette chaîne YouTube qui sont représentées. Et moi personnellement, je m'identifie pas mal dans cette série. Et d'ailleurs, si tu es fan de catch, ce qui est probablement le cas si tu regardes mes vidéos YouTube et si tu es abonné à ma chaîne, je te conseille vivement d'aller voir cette série, je pense que tu vas apprécier. Et pour aborder un autre sujet, donc cette semaine, j'ai pas de show de prévu, je ne catche pas cette semaine, mais je prévois quand même d'aller m'entraîner parce que oui, à côté de mes shows de catch, j'ai aussi mes entraînements à la salle de sport. Et aujourd'hui dans mon programme, c'est le jour des jambes, donc ça risque d'être un entraînement assez intensif. Et d'ailleurs, je voudrais avoir votre opinion là-dessus si vous êtes intéressé quand je vous partage mes entraînements, parce que je sais que ça peut être un petit peu hors sujet, enfin c'est pas vraiment relié au catch proprement dit, mais bon, pour moi personnellement ça va de soi. Quand tu veux devenir catcheur, il faut que tu t'entraînes à la salle de sport sur le côté, mais bon, je sais que je peux concevoir que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir votre avis si de temps en temps dans mes vidéos j'inclus quelques passages de mes entraînements. Et en ce qui concerne le prochain show que je vais avoir, donc pour moi ce sera la semaine prochaine, le 25 novembre, je serai en équipe avec Drew Onyx, qui est littéralement mon coach depuis que je suis ici au Canada, et ça va être intéressant de pouvoir faire équipe avec lui, parce que j'étais longtemps en rivalité avec lui dans la promotion là où je m'entraînais, et cette fois-ci on va se retrouver dans le même coin en équipe face à une autre équipe qui est très populaire en ce moment, qui commence à bien monter dans le circuit québécois, dans le circuit, bah, pas seulement québécois, mais je veux dire dans le circuit indépendant et le circuit anglophone du côté du Canada, Fresh Air. Je les ai déjà vus combattre plusieurs fois en équipe et ils ont vraiment un bon niveau. Et je sais qu'on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Je suis en train de préparer mon sac pour partir à la salle de sport et j'ai remarqué que je ne t'avais pas encore vraiment présenté les choses que j'emportais avec moi à la salle de sport. J'avais fait une vidéo, j'en avais parlé dans une vidéo concernant le catch, les choses que j'emportais avec moi à un show de catch dans ma valise de catch, mais pas pour le sport, donc je vais te présenter ça tout de suite. Et comme tu peux le voir, il n'y a rien de compliqué, je suis pas le genre de gars qui va s'encombrer avec 100 000 choses dans son sac de sport. Des fois je vois des personnes, j'ai l'impression qu'ils ont leur maison dans leur sac de sport. Moi, c'est pas vraiment mon cas. Et donc, comme tu peux le voir ici, on a un essuie que je prends pour la douche et le sauna. Comme autre chose, je prends aussi le casque. Donc ça, le casque, c'est quelque chose que je ne peux pas faire sans. Je suis obligé de m'entraîner avec mon casque et avec de la musique. Parce que un entraînement sans casque et avec casque, c'est deux entraînements complètement différents. Je prends aussi mon shaker avec de l'eau que je mets dedans. Et un cadenas. Ça m'a servi de leçon parce que une fois, il m'est arrivé une mauvaise aventure. J'avais la mauvaise habitude de mettre mes affaires dans les casiers sans cadenas. Et ça a fini que mon sac s'est fait voler. Donc depuis ce jour-là, ça m'a servi de leçon. Je mets toujours un cadenas sur mon casier. Et aussi avec ça, bon là, je ne les ai pas mis. Mais je vais prendre aussi, évidemment, des sous-vêtements propres avec moi. Je suis pas un grand fan de ce hip thrust, je trouve que la position est bizarre, mais quand on enchaîne les deux, ça plus les sauts sur le box, ça défonce pas mal, surtout que je prends pas beaucoup de temps de repos. Ok, je viens de finir mon entraînement. Les jambes, c'est toujours un petit peu un entraînement difficile, mais ça fait du bien. C'est super important de travailler les jambes. Je vois beaucoup de personnes qui négligent les jambes et ça me rend fou. Il n'y a rien de plus laid de voir un haut du corps musclé et le bas du corps qui ressemble à des jambes de coq. Mais pour en revenir sur mon entraînement en lui-même, ça s'est bien passé. J'ai eu un bon entraînement.
J'ai des petites douleurs au genou qui commencent à m'emmerder un petit peu, donc je suis obligé d'adapter mes charges. J'espère que ça va s'améliorer dans les jours et semaines à venir, et j'espère aussi que ça va pas m'impacter dans le ring quand j'ai un combat. Mais en tout cas, je vais surveiller ça de près. Et j'ai fait, juste après ma séance, j'ai fait un sauna. J'ai dans la salle de sport où je vais, il y a un sauna. Et j'ai fait un sauna et j'ai pris une douche froide directement après. Qu'est-ce que ça fait du bien. Je fais ça depuis un certain temps maintenant et je ressens vraiment qu'il y a un impact positif sur ma récupération de manière générale. Donc je vais continuer à faire ça. Je fais ça environ 3 à 4 fois par semaine. Et franchement, je t'encourage à faire le test. Tu vas voir que ça va quand même faire un petit changement. En début de vidéo, je t'ai parlé que j'avais un show le 25 novembre et je viens de réaliser qu'à cette date-là, il y a aussi un show de la WWE, enfin plus précisément un pay-per-view appelé les Survivor Series. Je pense que tu connais ce pay-per-view, je pense que tu as déjà regardé ce genre de show. Et j'aurais bien aimé le regarder en direct parce que c'est un style de show que j'ai toujours bien aimé voir en direct, les Survivor Series. Des fois, je vois pas toujours les pay-per-view en direct. Mais celui-là, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu, c'est un show que j'aurais bien voulu voir en direct. Mais bon, c'est pas grave parce que je serai dans un show, donc je ne pourrai pas le voir en direct. Je vais probablement le regarder le lendemain en espérant ne pas être spoilé. Parce que ça peut très facilement arriver. Il suffit que tu te connectes 2 minutes sur Instagram, sur Facebook ou peu importe le réseau social. Tu te fais spoiler en moins de 5 minutes. Et d'ailleurs, au moment où je vais sortir cette vidéo, le show aura déjà probablement passé. Donc bah, n'hésite pas à me laisser savoir qu'est-ce que tu en as pensé des Survivor Series de cette année. Et laisse-moi savoir aussi si tu es plus team WWE, AEW ou alors même une autre fédération. Je mentionne la WWE et la AEW parce que c'est souvent ces deux fédérations-là qui sont en concurrence. Et quant à moi, je vais pas te retenir plus longtemps. Si tu as aimé le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.